Salut salut les amis, c'est Fut4Fun, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo défi création d'équipe DCE Live avec les grosses affiches les amis. Donc comme tous les jeudis soirs, vous récupérerez donc un pack joueur Electrum rare une fois que les 4 défis seront réalisés. Vous récupérez également le jeton Fut Birthday Pro Cop et un pack joueur or. Non, on s'en fout de ça. On récupère également un pack Jumbo Premium Or, un pack joueur Electrum Prime et un pack joueur rare mélangé. Donc les amis, vu les prix des joueurs or et or rare, franchement ce défi là est rentable, même si on chope de la merde. Allez, c'est parti, on va commencer par AZ Alkmaar contre FC Twente. Il fallait un joueur de l'euro divisé, il est là, vous mettez qui vous voulez, rare, pas rare, peu importe la note, on s'en fout. 4 clubs minimum, 4 joueurs de même championnat maximum. Du coup, on est parti sur MG, les deux AGMG, enfin les deux MG que j'ai mis côté gauche, espagnol qui joue en Liga 2, parce que Liga 1 c'est vachement plus cher. Les deux MD, ils jouent dans le championnat mexicain. Les deux MC et le BU jouent dans le championnat italien et du même club. Et comme vous pouvez le voir, on a pu, avec les notes qu'on a mis, on a pu utiliser des joueurs bronze pour terminer le défi. Donc forcément, ça reste plutôt correct. Honnêtement, les amis, voilà, 700, c'est le prix des joueurs environ, j'ai envie de dire. Allez, lui, je lui chope à 400, lui à 650. Mais en gros, vous comptez, allez, environ 600 par joueur hors non rare. Donc il y en a 2, 4, 6, 8. Donc 6 x 8, 4008. Lui, j'ai payé 400, je crois. Voilà, 4002, ça fait 5002, 5004. 5600 crédits pour le premier défi. Donc c'est pareil, c'est pareil. Je sors mon accent allemand. Non, bah là c'est pareil, vous prenez, moi je suis parti dans le championnat japonais. Je prends toujours des championnats qui sont pas très très recherchés, histoire de gratter un max. Allez, on commence avec Taichi, Kato, Katsunori, Uebisu, Alexander Schultz, David Min ou n'importe quel joueur de Eurodivisé, Nicolas Lopez, Giacomo Bonaventura, Ricardo Saponara, Samu Saiz, Roberto Alvarado, Christophe Piatek et on termine avec Johnny. On soumet l'équipe, on récupère notre jeton qu'on pourra échanger à partir de demain, 19h les amis. Le magasin est ouvert. Allez, on continue. Galatasaray, Beşiktaş. Il fallait un joueur de Galatasaray ou de Beşiktaş. Deux joueurs de Super League. 5 pays minimum. Une autre génération à 77, un collectif à 75. Donc, bon, j'ai eu de la chance. J'ai chopé les deux joueurs. Enfin, j'avais un joueur dans mon club et puis j'ai cherché un BU. Ben, forcément, je suis tombé sur lui. Donc, même club, c'est très bien. Après, vous voyez, j'ai qu'un joueur paquet. On est à 79 de collectif, vous serez à 78. Donc on est quand même pas mal, sachant que j'ai mis un DG en DC, un MDC en DC, un DLD et un DLG en latéral. Donc franchement, ça reste correct. Donc je suis parti dans le championnat allemand, puisqu'il n'y a pas de SBC, grosse affiche allemand. Donc je suis parti dans le championnat allemand. Bah voilà, vous prenez ce qui passe, honnêtement. Vous essayez de prendre des notes à peu près correctes, au-dessus de 75, déjà sûr. Mais voilà, si vous avez le choix, ben par exemple, Baku, il est à 700 et c'est une note à 80, forcément, on fonce dessus. Après, le reste, ben, vous essayez de vous tester avec les joueurs de votre club et puis après, en fonction, vous achetez des plus grosses notes si la note générale n'est pas bonne. Allez, c'est parti. J'ai pas dit le prix, c'est vrai, j'ai pas dit le prix. Donc lui, je l'ai payé 750. Donc il faut compter à peu près 800 par joueur qui joue en Super League. Donc ça fait 1006. Après, tous les autres, comme je vous ai dit, arrondissez à 700. Donc il y en a 9, allez on va dire 8000 crédits pour ce défi là. On commence avec Rafal Jikiwix, Pavel Kaderabek, Sébastien Rode, vous voyez lui j'ai payé 500 par exemple, mais voilà il est on va dire aux alentours de 650. Christian Gunther, Borna Sosa, Riedel Baku, Maximilian Egestein, Christophe Kramer, Jens Peter Hodge, Adem Lialic et on termine avec Michy Batshuayi. On soumet l'équipe et on passe au troisième défi, Olympique Lyonnais Stade Rennais. Donc là ça commence à devenir un peu chaud, vous allez voir.
Bon, ils sont de mon club, donc j'avoue, voilà. Mais c'est 1600, franchement, en Tech 59, 1600 pour chaque joueur de l'OL ou du Stade Rennais. Donc déjà, rien qu'avec eux, ça fait du 3002. Lui, j'ai halluciné, j'ai payé une cher. Si jamais, je veux pas être censuré. Franchement, j'ai halluciné. Honnêtement, là, tous les joueurs de Ligue 1, ils ont flambé d'un coup. Donc, franchement, d'ailleurs, je vais tester un truc. Franchement, ça m'emmerde de vous proposer ça. Hop. Hop. Ouais, voilà, on va le faire comme ça. Putain, dommage. Allez, lui, non. Voilà. On est à 82, on a 3 joueurs paquets, donc c'est pas bon. Ouais, j'aurais essayé. J'aurais essayé. Ouais, il faut un MG ou un AG. Et franchement, les MG, ça coûte une blinde. Ouais, 700. Vous pouvez faire de l'achat-revente, hein, c'est pas de problème. Mais voilà quoi. Donc, bon, on va remettre notre MG. Ah non, j'ai une idée. Hop. Ah franchement, je lâche pas l'affaire. Ça me fait tellement, ça m'emmerde tellement de faire ça, de proposer un joueur à 1005 alors que il y a largement mieux, largement moyen de faire mieux. Voilà, franchement là, on est tranquille. En plus, j'ai déjà dans mon club. Allez hop, et il est là. Voilà, et là on est bien. Donc un joueur de Lyon, un joueur de Rennes, et après les amis, championnat de Liga, il faut juste 4 championnats maximum, c'est pour ça qu'on a mis beaucoup de joueurs de Liga. Il fallait 4 clubs, 4 joueurs de même club minimum, on a mis 4 joueurs de Villarreal pour être sûr d'avoir la note. Au final, on est juste à 79, donc par contre au niveau du collectif, j'avoue, on a charbonné. Franchement, on est plutôt bien. Mais au moins, ça vous permet de mettre n'importe qui là. Vous mettez un joueur de Rennes ou de Lyon, ben vous mettez ceux qui se rapprochent le mieux de leur poste. Voilà, vous prenez n'importe qui et vous le mettez. Voilà, si c'est un milieu gauche par exemple, que vous le mettiez en MC ou en DG, c'est pareil. Maintenant, si c'est un défenseur central, mettez-le en DG plutôt qu'en MC. Voilà pour ce qui est un joueur rare, une autre génération 79, un collectif à 80. Comme vous avez vu, on est large et encore que on peut encore gratter. On peut encore gratter quelque chose. On va voir s'il y a quelque chose qui tombe. Voilà. Voilà. Là, on est plutôt bon. Voilà. Parce que le DD, les défenseurs, ça coûte trop cher en ce moment. Donc, les amis, bah, il faut compter. Donc, je vous ai dit, bah, 3006 pour les deux joueurs. Là. Enfin, 3002 pour les deux joueurs en Tech 59. Donc, à mon avis, c'est plutôt du 3004 pour ces deux joueurs-là. Et après, le reste, vous comptez à peu près 700 crédits par joueur. Donc il y en a 9, 7 fois 9, 63, donc 6003, plus les 3000, allez. 9000, allez, franchement, on va partir sur 10000 pour ce défi-là. On commence avec Rui Silva, Alvaro Negredo, Andrés Guardado, William Carvajal, Adrien Truffert, Étienne Capoué, Francis Coquelin, Lucas Paqueta, Samuel Chukwuedze, Paco Alcacer, et on termine avec Ansu Fati. Donc voilà les amis, 10 000 crédits pour ce défi là, on soumet l'équipe, on passe au quatrième et dernier défi. Donc là vous allez voir, Arsenal-Liverpool, ça reste à peu près correct. Le joueur de Liverpool, je l'ai payé 2300, le joueur de Arsenal, je l'ai payé 1300. Donc vous voyez, ça fait un peu comme, Lyon... C'est le Real qui me vante d'hier. Lyon-Rennes. Il faut compter 3006 pour les deux. Après, on est parti sur le championnat italien. Et par contre, là, on a charbonné sur les grosses notes. Vous voyez, des 83, des 82, des 81. Histoire d'avoir la note générale à 81, les amis. C'est chaud d'avoir une note à 81. Si vous prenez des joueurs à 75, 76, 77, des clubs demandés. Parce que sinon, forcément, ça pousse un peu plus. Donc j'ai aucun joueur paquet, donc vous serez à 86 également. Donc un joueur d'Arsenal, il est là, vous mettez qui vous voulez. Un joueur de Liverpool, eh ben vous n'avez pas le choix, vous êtes obligé de prendre lui les amis, histoire d'avoir le lien avec Bakayoko.
5 joueurs de même pays maximum. Donc on a mis 4 Italiens, je crois, on n'en a pas mis plus, soit 4 Italiens. Un joueur rare, mais forcément avec une note générale à 81, ben on n'a pas le choix. Et voilà, donc là les amis, ben ça coûte 13-14 000 quoi. Facile. Allez, on commence avec Alessio Cragno, Manuel Lazzari, Francesco Acerbi, Ibrahima Konaté, Mohamed Elneny, Tchemwe Bakayoko, Matteo Politano, Felipe Anderson, Ruslan Malinowski, Duvan Zapata, et on termine avec Luis Muriel. Donc voilà les amis, j'ai calculé, on est sur du 11 000 crédits avec les joueurs à 3006 là pour ces deux joueurs. Donc ça va, ça reste correct, on est sur du 33 et 35 000 crédits pour la totalité des défis, mais je vous assure qu'on va se rembourser. J'en suis quasiment sûr. J'ai 63 places, donc ça devrait être bon. Allez, c'est parti. On va y arriver. Boutique, c'est parti. On va ouvrir le plus pourri. C'est le pack joueur or, je crois. Allez, c'est parti. Ça, c'était pour le premier défi. Un boost. Ben ouais, déjà, on est plutôt bien. Ça fait déjà... Ça nous rembourse Alexandro derrière, donc c'est plutôt bien. Ouais, 13-14 000 crédits. Franchement, on est plutôt bien. Allez, on va mettre ça. On va le mettre en vente quand même. Hop, et hop, les deux de là. Le reste, on en va au club. Là, on liste. Allez, on continue avec le deuxième. On va se faire le pack Jumbo Premium Or. Donc, déjà là, franchement, les amis, on est quasi... là, on a pris quasiment 20 000 crédits juste pour ce pack là. Allez, on chope Maignan, ben, c'est impeccable ça. Maignan Ibrahimovic, donc les 84, c'est déjà pour 4000 crédits au moins. Donc là, ça fait déjà 8000. On est remboursé, les amis. On est remboursé, oui, oui, on est remboursé facile. Franchement, il reste 3 packs. Même si on a que de la merde, c'est tout bénef. Là, en gros, on a utilisé, on a récupéré les crédits qu'on a utilisés pour faire le SBC. Allez, c'est parti, on continue. De la merde, il n'y a pas de problème. Je suis remboursé, je m'en fous. Allez. Même lui, franchement, les amis, il coûte cher. Je vous le dis. Voilà. À part en dessous de 2000. Allez, on continue avec le pack joueur Electrum Prime. Et puis on terminera avec le pack joueur Electrum Rare, forcément. Allez, de la merde, mais c'est pas grave, on est remboursé. Hop, Ismaili, Rudiaz et Diallo. Et on va terminer avec notre pack joueur Electrum rare. C'est parti. Là, il y a du lourd. Là. Oh, oh, du lourd. Anglais, BU, Tottenham, Harry Kane. J'avais dit que c'est du lourd. Ça va. Minamino, lui, je pense qu'il part pas. Hein, voilà. Donc, ça va être vente rapide. Donc, lui... Lui, c'est du 50 000 crédits, donc franchement, les amis, je vous l'ai dit, je savais que j'allais me rembourser. C'est fou, hein, et des fois, je le sens pas, mais des fois, ben, je le sens. Allez, on envoie tout ça au club, on a fait pas 100 000 crédits, parce qu'on va pas abuser, mais on est sur les 80 000, bien tranquille. Franchement, avec le dernier pack, là, on a pris facile... Bah ouais, je suis con, on a pris 70, 80 000. Si, on est sur les 100 000, tranquille. On est tranquillement sur les 100 000. Donc voilà les amis, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à liker, à vous abonner et à partager. Ça fait toujours plaisir. Nous, on se retrouve très vite pour de nouvelles vidéos. En attendant les amis, prenez bien soin de vous. Ciao et merci.